Et hier, je suis obligé de raconter cette anecdote, c'est passé hier, j'ai joué au foot avec l'Assemblée nationale. Donc j'ai joué avec des anciens pros, je vous jure, avec l'Assemblée nationale, l'équipe de France, avec Christian Carambeu et des sénateurs. Et parmi les sénateurs, comme ils sont au pouvoir, il y avait Rassemblement National. Donc il y avait des mecs du Rassemblement National, anciens Front National, des racistes, on va pas se mentir. Ils jouaient avec moi au foot. Mais moi, je joue au foot, tu vois. Non, rien, je vais vous expliquer l'histoire, vous allez, c'est sympa. Donc moi, je vais pour aller faire le match et là, il y a Quotidien qui m'interview. Donc là, ça passe en ce moment sur Quotidien. Ils arrivent, ils disent « Bonjour, monsieur Bougaraba. » Quotidien, je fais « Oui. » Il me dit « Vous êtes au courant de la polémique ?» Je dis « Laquelle ?» Il me dit « Vous allez jouer avec des gens du Rassemblement National et il y a des députés de la gauche qui ont refusé de jouer le match parce que justement, il y a des sénateurs du Rassemblement National. Et vous, est-ce que vous allez jouer le match ?» Question piège. Moi, je n'étais pas au courant qu'il y avait des bâtards qui allaient jouer avec nous au ballon. Donc, je suis professionnel. J'ai écouté les exclure, c'est mener la même politique qu'eux. Et il ne faut pas combattre le feu par le feu. Moi, quand je parlais, il y a une partie de moi qui se dit, oh, le fils de pute. Du coup, on a joué et dans notre équipe, il y avait Julien Odoul. C'est le mec au Sénat qui a dit à la femme voilée, quittez le Sénat. Donc moi, je le vois, il est dans mon équipe. J'ai compris que c'était lui. Wallah, il jouait arrière droit, côté droit, extrême droite. Moi, j'ai rien dit, c'est pas grave, on joue, on est une équipe. La vue de ma mère, le premier ballon qui va pour toucher, tout seul, crac, son genou se casse. Je dis pas qui, mais tu as entendu un chef. Je vous jure que c'est une histoire vraie. Le mec, genou, il s'est blessé comme un pro alors qu'il a jamais joué au foot de sa vie. Après, moi, j'ai dit, poteau, tu t'attaques à des gens, ils font 5 prières par jour. Ils sont en connexion Wi-Fi avec Rabbi. Quand la vie, tu lui as fait du mal, j'ai dit, Inch'Allah, Rabbi, il va t'arriver quelque chose. C'est pas les marabouts de Pogba. C'est connexion directe, poteau. Non, c'est le karma, c'est le karma. Il a un retour de karma direct. Moi, il m'a fait de la peine parce que quand j'ai vu. Comment je suis. Bref, ça, c'était un petit moment Nutella que je voulais partager avec vous.